Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui pour ce talk que nous avons nommé « Créer des produits pour la Gen Z ». Alors, vous nous parlez un peu de vos boîtes, qu'on sache ce que c'est. Jérémy, tu veux commencer avec Yubo ? Tout à fait. Alors, Yubo, c'est une application de mobile, donc pour la génération Z, en fait, qui permet de socialiser en ligne. Donc concrètement, en fait, c'est des espaces de discussion, donc des live vidéo, où la génération Z, donc après les cours, en fait, se retrouve en fait sur l'application pour à la fois rencontrer des nouvelles personnes et passer du temps avec leurs amis. Donc nous, on a lancé l'application en 2015. Donc ça fait un peu plus de 7 ans qu'on existe maintenant. On a un peu plus de 60 millions d'utilisateurs dans le monde et on a fait en 2021 un peu plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça fonctionne bien et on travaille vraiment donc nous sur le concept de socialiser qui est une problématique qui n'a pas été répondue en fait par tous les autres réseaux sociaux. Qui connaissait Yubo dans la salle ? Pas mal, quand même. 60 millions d'utilisateurs, hein. C'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se targuer d'avoir autant d'utilisateurs. Donc, non, bravo, bravo. Scott, tu nous parles un peu de Card ? Bonjour à tous. Déjà, c'est, je pense, la première conférence en physique après 2 années de Covid, donc c'est très, très cool. Donc, moi, je suis l'heureux cofondateur de Card. Card, c'est la première application d'argent de poche à destination des familles. Concrètement, ce qu'on propose, c'est une carte reliée à une application qui va permettre aux adolescents de gérer leur compte, payer en physique ou en ligne, économiser pour des projets qui leur plaisent. Et côté parents, ils vont avoir une supervision de l'intégralité des comptes pour envoyer de l'argent de manière instantanée ou de régulière et d'avoir un peu ce contrôle pour les accompagner dans leur envol financier. Card est né d'un constat assez absurde qui est que les ados, la Gen Z, même la génération alpha maintenant, c'est la seule démographie qui est cantonnée et qui est délaissée et qui est bloquée à l'usage des espèces. Alors que c'est la génération qui en a le plus besoin, ou qui a le plus besoin de paiement digital, vu que 60% de leurs transactions ne peuvent être effectuées que par un moyen de paiement digital, et donc une carte. Donc concrètement, ce qu'on essaie de faire, c'est y a deux gros objectifs. Le premier, c'est de leur permettre de vivre dans l'air du temps. Ils ont tous un smartphone, ils reçoivent tous de l'argent. Ils ont besoin d'une solution de paiement qui leur est propre et qui est adaptée. Et enfin, c'est d'essayer de contribuer le plus possible à leur éducation financière. Je pense que ce n'est pas un secret. On parle très peu d'argent, particulièrement en France. C'est un sujet qui est délaissé sur les bancs de l'école et c'est souvent un sujet assez tabou au sein des familles. Peu importe son héritage familial, qu'on soit fils de professeur comme moi ou fils de banquier comme mon associé, c'est souvent l'éléphant rose dans la chambre. Donc on va essayer de tabouiser ou de libérer un peu le rapport qu'on a à l'argent pour qu'ils se sentent le plus confortable possible dans le futur. Super, merci beaucoup. Alors, on attaque direct le sujet, la Gen Z. On la définit comment ? Parce que c'est vrai qu'on balance le terme comme si c'était une évidence. Déjà, quelle tranche d'âge ? Tout bête comme question. Alors nous, sur Yubo, on a 80% de nos utilisateurs qui ont entre 16 et 21 ans. Okay. Donc, c'est une grosse partie, c'est la Gen Z. Donc la Gen Z, c'est... Nous, ce qu'on définit la Gen Z, c'est surtout entre les utilisateurs entre 13 et aujourd'hui 20 ans. Okay. Donc concrètement, la Gen Z, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on en dit, c'est que c'est une génération qui est très créative, très entrepreneuse, qui est très débrouillarde. Donc ça, c'est des choses qui sont vraies. Nous, ce qu'on observe sous Yubo, après, ce qui est important de noter, c'est que c'est une génération en fait, qui a grandi avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, donc c'est vraiment quelque chose de natif pour eux. Et donc en fait, il y a plein de comportements en fait qui existent dans la vraie vie, qui ont été reproduits par cette génération, donc avec l'outil qui est le smartphone. Et donc nous, c'est vraiment comme ça en fait que Yubo est né. C'est vraiment ce besoin de socialisation qui existait dans la vraie vie, qui a été reproduit grâce à ce qu'a débloqué en fait cette génération avec donc ces nouveaux outils. Quand on a bossé un peu ce talk avant, tu m'as dit ce sont des génies avec leur téléphone. Ouais, c'est assez impressionnant en fait. Voilà, moi je fais beaucoup donc d'interviews utilisateurs où donc je les regarde utiliser leur téléphone et ce qu'ils arrivent à faire en 2 secondes en fait, c'est ce que moi je vais mettre 10 minutes à faire sur mon ordinateur. Donc c'est vraiment une génération qui est très ils vont pousser en fait jusqu'aux limites en fait de l'outil et ça nous pousse en fait nous en tant que constructeurs de développeurs d'applications à pousser aussi nos limites. Ils projettent vraiment l'application dans le futur parce qu'ils sont
très très doué et très très agile avec. Tu penses à quoi? Enfin, t'as un exemple d'un comportement qui t'a bluffé ou tu t'es dit Bah nous, juste la création du bot. En fait, on est parti avec une idée simple. En fait, on voyait que des gens partageaient leur pseudo Snapchat en ligne. Et en fait, c'était vraiment pour projeter ce besoin de socialisation en fait qu'ils avaient. Et donc nous, en créant un produit comme ça, on a vraiment compris qu'ils avaient besoin de faire en fait des discussions en direct, de reproduire ce besoin de la vraie vie. Et en fait, c'est vraiment ce besoin qu'ils nous ont aidé à comprendre en utilisant les réseaux sociaux pour partager leur pseudo Snapchat. Et est-ce que tu les vois de temps en temps détourner un usage que vous aviez imaginé? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'essaie de trouver un exemple, mais c'est vrai qu'en fait, on s'attend. Nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, au maximum, c'est de créer des outils. C'est-à-dire, en fait, on a compris qu'essayer de vraiment définir l'usage final qu'on veut aller, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt donner des outils aux utilisateurs qui vont leur permettre, en fait, d'exprimer différents usages. Et par exemple, nous, le live, au début, on l'a construit de manière privée. Donc, quand on avait pensé au début le live, on l'avait construit de manière privée. Et en fait, un jour, on a eu un bug où tous les lives sont affichés et la plateforme, l'usage a vraiment explosé du jour au lendemain. Donc voilà, on a compris peut-être qu'il y avait un usage en fait et que les gens voulaient du coup aller encore plus loin avec cette discovery. Donc en fait, petit à petit, vraiment l'utilisation que font les utilisateurs du produit, ça nous aide à nous projeter aussi dans le futur. Ok. Et toi, Scott, de ton côté, est-ce que tu vois des comportements dans cette génération-là qui sont fondamentalement différents? Je parle évidemment du rapport avec le numérique, hein, parce que je ne peux pas dans l'absolu, qui sont fondamentalement différents des générations précédentes. Alors, je vais dire de la nôtre, pour ne pas remonter peut-être trop haut, où là, il y a quelques différences. Ouais. Alors, côté technologie, c'est sûr que c'est des génies, ça, y a absolument pas de doute. Ils sont nés avec un smartphone dans leurs mains. C'est une génération qui a toujours évolué avec des business models complètement révolutionnaires. Prendre un taxi, c'est commander un Uber. Regarder un film, c'est aller sur Netflix. Écouter de la musique, c'est aller sur Spotify. Donc il y a un prisme qui est complètement différent par rapport à la techno, la qualité des applications. Nous, ce qui nous a pas mal marqué outre le côté technologie, c'est à quel point c'est une génération entrepreneuriale. Et quand on regardait, donc nous on propose un RIB, une carte, on peut recevoir de l'argent de ses parents bien entendu, mais en fait on s'est très vite rendu compte que ça constitue que 55% des rentrées d'argent. Et on a essayé de creuser le sujet au tout début, et en fait on se rend compte que 50% de nos utilisateurs font de l'argent ailleurs. Il y a, pour vous donner juste un exemple, on a un peu plus de 3 millions d'euros d'entrée d'argent de Vinted. Et donc en gros, ça constitue 25% de leur revenu mensuel, Vinted, où ils vont aller faire les tiroirs de leurs parents, essayer de vendre les trucs dans le grenier. Et donc c'est vraiment une génération hyper, hyper débrouillarde, que ça soit du Vinted, du Twitch, du YouTube, on peut imaginer ce qu'on veut. Mais ils sont extrêmement malin, malicieux quand il faut gagner de l'argent. Donc c'est ça qui nous a assez impressionné et c'est ce qu'on essaie de les accompagner aussi, c'est de les rendre les plus autonomes financièrement et ça c'est un bon exemple pour nous. Bah, ça fait le pont avec le sujet que j'aimerais qu'on aborde ensuite qui est comment on va construire ces produits en termes d'expérience utilisateur, en particulier quand les concepteurs ne sont pas dans la cible. Ça, c'est toujours un truc qui est difficile, puisque dans le produit, il y a cette règle un peu du « eat your own dog food ». Enfin, c'est quand même toujours plus simple de construire un produit pour lequel on est un utilisateur potentiel. Et là, de manière structurelle, on n'est pas un utilisateur potentiel. Comment vous taclez un peu ce challenge-là? Ouais, moi je suis mal placé parce que je suis ni parent ni ado, mais je pense que très bien placé justement, ça nous sert. Dans la conception de l'expérience, vulgairement d'avoir le cul entre deux chaises, ça nous permet de mieux servir les deux cibles, je pense. Nous, on a une expérience qui est une même application, mais avec une expérience complètement différente en fonction de si on est le parent ou l'ado. Tant sur le contenu que l'expérience, l'UX, l'UI, tout va être différent. Nous, ce qui nous fascine et ce qui nous excite, ce qui nous anime de côté produit, c'est que par définition, on s'attaque à une cible qui n'a jamais été bancarisée dans le passé. Donc, il faut
il faut partir d'un prisme complètement nouveau, d'une feuille blanche pour recréer la banque de demain. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tout inventer, la rendre beaucoup plus cool, beaucoup plus ludique, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus fun. Ça n'a pas besoin d'être chiant d'ouvrir son compte en banque ou de l'ouvrir avec un stress parce qu'on va avoir que des moins. On essaie de rendre l'expérience beaucoup plus cool. Après, ce qui est très compliqué pour la Gen Z, c'est que c'est une population qui a un niveau d'exigence et de qualité qui est incroyable. Donc c'est pas nous autour de dans cette salle où quand on est passé de notre app LCL ou Société Générale et on a ouvert un compte Revolut, on a vu les paiements instantanés ou les notifications instantanées, tiens, wow effect, pour eux c'est le béaba. Donc il faut toujours aller faire plus. Et côté parents, ça va un peu dans le même cadre, c'est qu'il faut essayer de simplifier l'expérience sans la rendre trop simple, parce qu'ils sont habitués justement à des produits qui sont hyper archaïques. Je donne un exemple tout bête, mais nous, quand on envoie nos cartes, la carte, forcément, quand on reçoit nos cartes de Société Générale ou de la LCL, quand on reçoit une nouvelle carte, il faut aller l'activer au guichet. Forcément, nous, on fait pas ça, on peut l'activer directement de l'application. Ben, on avait plein de parents et d'enfants qui nous disent « mais la carte marche pas, je vais au guichet, elle marche pas ». Donc il a fallu revenir à un truc encore beaucoup plus simple avec le petit sticker qui est de se dire « pour le coup, n'activez pas votre carte au guichet, mais activez-la direct sur l'app ». Donc il faut inverser un peu les façons dont on réfléchit avec les deux cibles. Mais en tout cas, c'est fascinant. Et côté Yubo, ouais, sur cette... Alors nous, déjà, ce qu'on a fait, on a eu une approche au début assez simple, c'est que sur Yubo, on était les premiers amis de tous les utilisateurs. Donc de millions d'utilisateurs, on a été connectés avec eux et en fait, on discutait en fait, avec ces utilisateurs. Vraiment, on a passé des heures et des heures pendant les premières années en fait, à échanger avec nos utilisateurs pour vraiment comprendre leurs besoins, parce que nous, on comprenait pas du tout au début. On savait que ça fonctionnait parce qu'on avait déjà fait d'autres applications avant, mais on comprenait pas pourquoi. Donc on essayait vraiment de comprendre le besoin profond de nos utilisateurs. Donc on a passé beaucoup beaucoup de temps à comprendre la cible. Et ça, je pense que c'est vraiment une étape qui est obligée donc pour créer un produit pour quelqu'un qui n'est pas vous. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui était vraiment nécessaire. Et ensuite, nous, on a approché vraiment la construction du produit d'une manière assez scientifique, c'est-à-dire qu'on avait des hypothèses, on avait une vision d'où on voulait aller, on avait des hypothèses et ensuite on a vraiment essayé de les tester de manière très itérative. Donc on aimerait savoir si ça c'est vrai ou pas, bah, comment on peut le tester en quelques semaines, on va le mettre en place, on va avoir la réponse et grâce à cette réponse on va essayer d'avancer donc, sur le problème suivant. Et c'est vraiment en fait comme ça qu'on a construit Yubo depuis plusieurs années. Donc c'est avec des petits pas, on n'a jamais eu une grosse idée qui sortait un peu du chapeau, qu'on a développé pendant des mois. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui est assez important, c'est de vraiment être toujours s'accrocher à un usage qui existe déjà, le comprendre et ensuite essayer de l'étendre vers quelque chose où on veut aller. Et donc voilà, c'est vraiment d'avoir cette démarche d'itération parce qu'en fait, la cible, c'est pas nous. Et donc, le seul moyen que nous, on a trouvé pour savoir si quelque chose fonctionnait ou pas, c'était de le tester. Et voilà, le coût que ça a de le tester et d'avoir la réponse, ça a pas de valeur, quoi, en fait. Et sur la continuité de cette réponse-là, comment tu fais de la recherche utilisateur ? Donc là, on a parlé du test, qui a un côté très... on ship et puis on voit comment ça se passe. Est-ce que vous avez aussi des mécanismes un peu plus exploratoires ? Bien sûr, bah nous, on a vraiment la chance en fait, d'avoir une app où les utilisateurs, ils ont envie de communiquer avec nous, ils ont envie de communiquer avec tout le monde. Donc nous, on a tous les personnes dans l'équipe produit, on a des comptes Yubo et on parle avec les utilisateurs. Donc dès qu'on va shipper des features, on va aller envoyer des messages à tout le monde pour essayer de comprendre comment elles sont perçues. Bien sûr, après, on a toute une stack data qui aide aussi énormément. On a, plus de 5 ans de métriques en fait, qui sont vraiment des historiques d'usage et qui nous permettent en fait de comprendre aussi comment les features devraient se comporter. Et donc dès qu'on va sortir quelque chose, on peut comprendre s'il y a des changements dans les data. Mais voilà, en fait, on est vraiment très proche des users. On fait donc des user testing, donc on fait venir des utilisateurs au bureau. On va essayer de voir comment ils utilisent l'application, qu'est-ce qu'ils en font. Donc vraiment des user testing qui sont non modérés. Donc vraiment essayer, parce que Yubo, c'est vraiment quelque chose d'un écosystème qui est assez vaste, donc c'est assez dur de modérer les user testing, mais voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que font les users et d'essayer de, en fait, comme je dis à chaque fois, nous on essaye de craquer un problème qui est complètement nouveau, donc socialiser dans un espace en ligne qui est safe. Et donc voilà, on a tout à inventer et donc on a
tout à créer. Et c'est vraiment c'est ça qu'on essaie de faire. C'est une cible qui râle. Ça marche pas, ils râlent, ils font comme ouais, nous, les ils, vieux, ils on oublient, va sur TripAdvisor, on met une mauvaise note. Ils sont très 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 durs, donc nos utilisateurs, ils sont très très durs, ils ont toujours été très durs avec nous depuis le début. Maintenant, ils nous ont tout le temps pardonné, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a eu, voilà, ça arrive qu'on ait des bugs avec le scale, dès qu'on a beaucoup de gens qui sont en même temps, bah, ça arrive que l'application ralentisse, ou ça nous est déjà arrivé d'avoir des bugs pendant plusieurs jours, ils nous ont toujours pardonné. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est que nous, dans cette approche-là de, en fait, d'itération et de construction du produit, on a déjà testé des choses qui étaient complètement radicales. Donc l'application avait vraiment changé complètement du jour au lendemain. Et voilà, si ça ne fonctionnait pas et qu'on revenait en arrière, bah, les users, ils étaient toujours là. En fait, ils sont super souples. Et en fait, nous, on a vraiment, ils nous ont vu en fait, construire l'application et la voir changer en fait, tous les jours. Ils sont habitués en fait, à ça. Et donc, en fait, ça nous permet en fait, d'avoir cette liberté de tester des choses et de savoir qu'en fait, si ça ne fonctionne pas, bah, on peut revenir en arrière et nos users, ils nous en voudront pas. Quoi. Et est-ce que toi, tu as le même luxe, Scott ? Parce que quand tu fais du produit toute la journée, avoir cette souplesse de pouvoir changer un peu radicalement une interface du jour au lendemain, je pense que ça fait rêver à peu près tout le monde dans la salle, hein, parce que généralement on bosse plutôt sur des apps où il faut accompagner l'utilisateur dans le changement. Enfin, tu ne te permets pas de tout changer du jour au lendemain. Et est-ce que toi, tu as la même souplesse avec un domaine qui est peut-être plus normé ? Alors, le changement est moins drastique, à mon avis, qu'un Yubo, vu qu'on est quand même une banque, donc il y a un moment où il faut mettre des plus et des moins. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, on se donne la souplesse. C'est ce qui est formidable, c'est qu'ils n'ont jamais testé d'autres produits bancaires, donc on peut tout réinventer, repartir de zéro pour tout recréer et tester avec eux. Je pense que je rejoins vachement Jérémy sur le côté, c'est un mix entre data et test. Nous, on a et des parents et des ados qui viennent toutes les semaines, tester de nouvelles features, prendre des nouveaux insights. Et ça nous permet d'être toujours dans l'air du temps et d'essayer de répondre à leurs problématiques, à leurs attentes. Après, c'est vrai que c'est une génération qui a un attention spam de à peu près une seconde et demie. Donc non seulement ils vont gueuler, mais ils vont surtout partir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention avec ce qu'on fait. On essaie d'avoir une logique de bêta-testeur aussi, avec un petit groupe d'ambassadeurs triés sur le volet qui nous aident à justement tester, assurer et s'assurer qu'on ship de la bonne qualité et surtout des features qui servent. Une dernière question, peut-être sur cette caractérisation de la Gen Z, c'est une question qui a été posée. Est-ce que vous ressentez, dans les interactions qu'ils ont avec vous, ou peut-être même dans les comportements, qu'ils ont un rapport au monde qui est un petit peu différent des générations précédentes ? Je pense que le sous-entendu qui n'est pas écrit là, c'est peut-être dans les engagements de responsabilité, par exemple, parce que ça sont les choses que vous ressentez. Ouais, absolument. Absolument. Pour moi, c'est vraiment ce qui me vient le premier, c'est une génération ultra entrepreneuriale, très très indépendante, avec une vision sur le monde qui est complètement différente de la mienne ou de celle de ma génération, les millennials. C'est une génération auquel l'environnement est ultra ultra important pour eux. C'est aussi une génération qui est assez contradictoire, dans le sens où elle est hyper green ou très à cheval sur l'environnement, mais c'est aussi la génération qui dépense sur Chine, qui est l'un des e-commerçants les plus polluants du monde. Donc c'est toujours une question de balance pour cette génération-là, mais c'est sûr qu'elle est très différente, elle a un prisme complètement nouveau et complètement neuf sur le monde de demain. Ce sont des choses que tu ressens un petit peu aussi, Jérémy, ou peut-être moins perceptibles sur le type d'app que tu as ? Non, nous, c'est vrai qu'on remarque qu'on a souvent des lives d'une qualité de discussion que moi, je n'avais pas à cet âge-là. Donc après, est-ce que c'est vraiment particulier ? Donc voilà, on sait qu'on sent qu'ils sont, et on a souvent, nous, on a beaucoup de lives de débat, par exemple. Voilà, donc ils vont parler de sujets qui les passionnent. On a des... on a aussi beaucoup, beaucoup de lives qui sont très, très créatifs. Donc, en fait, ils arrivent à trouver des concepts, à inventer des jeux. Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment une génération qui est très, très créative et très entrepreneuse et très active. Bon, bah, ça fait le pont avec la thématique d'après qu'on voulait aborder, qui est un gros pavé, qui est l'éthique et la responsabilité. Alors, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Je ne vais pas citer le nom de la boîte. Il y a 5 ans, à LPC, donc on avait reçu le head of design d'une boîte qui adressait la même génération.
et qui nous avait dit, nous, en termes d'UX, on fait tout, par exemple, pour qu'un ado puisse utiliser son téléphone à une main, même quand il conduit un scooter. Je peux dire que les quelques parents d'ados qu'il y avait dans la salle n'ont peut-être pas passé la meilleure conférence de leur vie. Donc il y avait quelques questions sur l'application, vous imaginez. Et c'est amusant parce que je me dis qu'en 5 ans, j'ai le sentiment qu'on a franchi un chemin qui est quand même colossal et que même cette personne-là où il y avait une question un peu, c'était un réflexe, c'était plus dans l'usage, il ne pensait pas du tout à mal, ce serait inconcevable aujourd'hui de dire quelque chose comme ça, et tant mieux, hein, évidemment. Donc j'aimerais qu'on regarde ensemble comment vous, en tant que concepteur, vous considérez que vous avez un rôle à jouer dans la régulation de l'usage qui est fait de votre application. Parce que, aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, on parlait de BitTorrent, par exemple, et il y avait toujours ce côté, on fournit la plateforme, mais l'usage, c'est les gens, quoi. Donc, on n'est pas responsable de l'usage qui est fait du produit qu'on crée. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Donc, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail, dans vos boîtes respectives, de comment vous abordez ce sujet-là. Tu as le micro, Jérémy. Toi, comment vous abordez, par exemple, le rapport au temps à l'usage qu'ils font tous les jours d'une app comme la vôtre? C'est vrai que c'est un sujet qui est très important chez nous, du coup, tous ces sujets d'addiction. Et en fait, nous, on a vraiment conçu l'application de base pour un peu éviter ces problématiques. C'est-à-dire, en fait, si on voit ce qui pose problème, en fait, dans les apps sociales, par exemple, sur les problématiques d'addiction, ça va être le nombre de vues, le nombre de likes, qui va, en fait, la performance, tout ce qui va, en fait, générer de l'anxiété chez la génération Z. Nous, en fait, on est vraiment à l'opposé chez Yubo. En fait, c'est des discussions entre des personnes, donc c'est comme on est en train de faire maintenant. Donc c'est vraiment des interactions réelles de la vraie vie entre deux personnes et il n'y a pas de performance, c'est vraiment que des petits groupes de gens qui sont là pour interagir entre eux. Donc on a vraiment essayé, nous, de pas reproduire, en fait, ces schémas qui sont vraiment néfastes, en fait, pour la génération Z, pour vraiment construire un produit qui les aide à se développer, à comprendre qui ils sont et à intégrer des groupes de gens qui les ressemblent et qui leur permet vraiment, en fait, de se développer dans le monde. Nous, on a vraiment cette mission-là d'aider la génération Z à se développer et à trouver, voilà, les groupes de gens qui leur plaisent. Donc c'est très important pour nous, en fait, de garder, en fait, tout le temps ces valeurs-là et de ne pas rentrer dans la performance qui peut vraiment générer cette addiction. Je reste avec toi 2 secondes. Vous vous souvenez de Chatroulette? Oui, vous vous souvenez. Donc ça permettait de faire du live et on voit rapidement comment l'usage a été détourné. Donc très très vite, c'est parti sur du live, hein, toujours, mais aujourd'hui ça s'appelle plutôt OnlyFans, quoi. Comment on fait pour pas que ça tourne comme ça? Alors c'est une très bonne question. Donc du coup, Yuvo, c'est un espace de découverte. Donc en fait, c'est vrai que dans un espace public où les gens se rencontrent, c'est très important d'avoir des règles qui sont strictes et qui sont respectées. Donc nous, voilà, dès le début de Yubo, on a mis en place tout un tas de règles de communauté qui sont, en fait, obligatoires pour les users de respecter s'ils veulent rester sur la plateforme. Et voilà, donc nous, on a vraiment pris un peu le... On essaye de ne pas travailler comme les autres réseaux sociaux, où nous, on va être vraiment proactif sur la modération et essayer, en fait, de prévenir les utilisateurs en amont. Donc par exemple, je vous prends un exemple d'un utilisateur qui veut partager son numéro de téléphone à quelqu'un dans l'application sur un chat privé, et ben on va lui prévenir que, voilà, c'est une donnée qui est personnelle et que ça peut être dangereux de la partager avec un inconnu. Est-ce que vous voulez être sûr de partager cette information? Donc ça, c'est quelque chose que nous, on fait, voilà, proactivement, qui permet, en fait, vraiment d'être sûr que les utilisateurs sont informés. Et bien sûr, en plus de tout ça, on modère, en fait, voilà, tous les contenus qui sont publiés sur la plateforme. Donc les live vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans le live. On va modérer l'audio, donc essayer de traduire ce que disent les gens pour savoir, donc, s'il n'y a pas de racisme, d'insultes, de bullying. On va également avoir des modérateurs, en fait, qui vont venir dans les lives pour essayer de comprendre dès qu'il y a des débordements, pour potentiellement prévenir les utilisateurs qui doivent changer de comportement, sinon le live va être fermé. Donc on essaye vraiment, nous, de faire de l'éducation, d'expliquer aux utilisateurs ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et voilà, dès que les utilisateurs après dépassent les limites, y a des sanctions. Mais voilà, on est vraiment dans ce travail-là d'une approche un peu éducative et de prévention et de vraiment pour protéger nos utilisateurs. Un petit pont sur l'aspect technologique avant de te laisser répondre, Scott. 60 millions d'utilisateurs,
Donc là, tu nous as quand même pas mal parlé de modération un petit peu humaine, d'intervention dans les lives, etc. Donc c'est quand même pas super, c'est très bien, mais c'est pas super scalable. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous avez dû accomplir d'un côté technologique pour, j'imagine, essayer d'automatiser le plus possible? C'est vraiment des sujets qui sont passionnants. Donc nous, on essaye bien sûr à chaque fois, en fait, dès qu'on trouve un problème, de l'automatiser, donc de trouver des patterns. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des patterns en fait qui se répètent, qui nous permettent d'automatiser les choses. Maintenant, voilà, on aura tout le temps besoin donc de présence humaine. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment des algorithmes qui vont faire une première passe sur tous les types de contenus. Donc dès qu'un utilisateur ajoute une photo, dès qu'il va faire un live, dès qu'il va envoyer un message, ça passe dans des algorithmes. Et dès qu'on a des doutes, on envoie des modérateurs humains. Donc voilà, il y a vraiment un mix entre technologie et modération humaine qui permettent de faire scaler la modération. Et pour vous donner un autre exemple en fait de choses qui sont possibles qu'on est en train de mettre en place. Donc nous, pour Yubo, en fait, l'âge des utilisateurs est très important parce que selon l'âge que les utilisateurs ont, ils sont dans des catégories de discovery qui sont différentes. Donc un utilisateur de 16 ans, il va pouvoir discuter avec des gens entre 15 et 18 ans, par exemple. Enfin, voilà, il y a tout un tas de groupes d'âge, et donc la vérification de l'âge est très important. Et donc ce qu'on fait maintenant, dès qu'un utilisateur s'inscrit, on va faire une photo en fait de sa tête pour estimer son âge et en fait très simplement en fait pouvoir valider l'âge des utilisateurs, ce qui est quelque chose de fondamental en fait sur une plateforme sociale et que personne ne fait. Et voilà, en fait, on essaye vraiment nous d'innover et d'apporter en fait des solutions qui sont concrètes face à ces problématiques de sécurité. Ok. Et Scott, de ton côté, les plus grosses dérives que tu essaies de contrôler ou d'empêcher? Moi, je suis très content, c'est beaucoup plus simple que pour Jérémy. Non, mais je pense que le temps d'écran, c'est pas forcément un problème, et tu me corriges si je me trompe, pour ni Yubo ni pour Card, pour la simple et bonne raison que nos business models ne résident pas sur de la publicité. Jérémy va en parler plus tard, mais nous, on a un abonnement, donc j'ai pas besoin que mes users passent 3 heures ou 2 heures par jour ou 4 heures par jour sur mon application. Nous, ce qu'on fait en termes d'éthique, de sécurité, on va bloquer bien entendu tout ce qui est interdit aux moins de 18 ans, pour les users qui ont moins de 18 ans, donc paris sportifs, paris en ligne, les jeux d'argent, la pornographie bien entendu. Après, on n'a pas, sur l'éducation financière, on n'a pas la prétention, nous, Card, d'éduquer les familles. Dans le sens où chaque enfant est différent, chaque famille est différent. Et donc ce qu'on a plutôt opté, c'est d'avoir l'application la plus malléable, customisable possible en fonction de la famille. On va avoir des familles qui sont contrôle fric, qui vont dire tu peux dépenser que 4,20 € par jour, d'autres qui vont être complètement libérées par rapport à ce sujet et beaucoup plus dans une optique d'autonomie. Donc c'est vraiment à la main des parents de se fixer ces limites-là. Nous, on est juste cet outil technologique qui permet de le faire. Ok. Est-ce que le comportement, j'imagine, des adolescents et des parents est très différent? Est-ce qu'à l'inverse, finalement, il y a aussi des actions qui sont prises côté parents, plus au niveau safety des données? Est-ce qu'il y a de la réassurance à faire sur la cible des parents? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le parent, on touche trois éléments qui sont extrêmement sensibles, si ce n'est les plus sensibles dans sa vie, à savoir l'éducation de son enfant et son argent. Donc il faut réellement apporter... Dans l'ordre. Oui, dans l'ordre. Donc il faut vraiment apporter cet élément de réassurance aux parents constamment, que ce soit dans la façon dont on communique, dans la façon dont on peut customiser l'application. Mais en règle générale, dès que c'est plutôt le passage de... Packard à Card qui est compliqué, dans le sens où si vous me demandez ou si tu me demandes quel est notre concurrent principal, c'est pas les banques traditionnelles, c'est pas les nouvelles startups qui se lancent, c'est vraiment le cash et l'usage d'espèces. Et en fait, c'est ce changement de prisme et de passer de l'usage d'espèces à un usage qui est beaucoup plus digital, comme les cards. Donc la société va dans notre sens parce qu'elle devient de plus en plus digitale et beaucoup plus cashless, mais il y a encore beaucoup d'éducation, beaucoup d'évangélisation à faire dans un marché où on a moins de 15% des moins de 18 qui sont bancarisés. Donc ça va ne faire que croître. Et on parlait tout à l'heure de l'âge des utilisateurs, donc c'est quand même une de vos spécificités, c'est que vous adressez
une tranche d'âge qui est précise et qui donc grandit de fait. Et donc votre bassin d'utilisateurs, il doit se renouveler en permanence. Est-ce que vous, dans vos visions, vous vous dites, on a fait de l'acquisition de personnes qu'on va essayer de suivre pendant toute leur vie d'adulte, ou est-ce qu'au contraire, finalement, le churn est quelque chose de complètement intégré, structurel, et vous êtes en permanence dans une logique de renouvellement et de réapprovisionner le haut de funnel? Pour nous, dès la genèse de Card, c'était d'essayer justement de capturer une cible qui est très, très, très stratégique de manière financière et de value. Quand on regarde le customer journey, pour faire un peu d'anglicisme, d'un client bancaire traditionnel, c'est 90% des personnes vont hériter de la banque de leurs parents à 17-18 ans. Et en moyenne, on va rester dans cette banque pendant 16 ans. Donc il y a 16 ans le LTV. Le vrai churn bancaire se fait lors de l'optation de ton crédit immobilier, où la banque qui t'offre le crédit, enfin que tu choisis, te demande de transférer tes comptes. Donc nous, on a tout de suite vu un côté très stratégique à aller capturer le client en amont de la chaîne de valeur, pour une fraction du prix, comme vous pouvez vous en douter, de l'équiper pendant ses 4-5 années d'adolescence et surtout de continuer à le garder une fois qu'il a 18 ans. Et donc ça passe par une transition de produits, que ça soit sur un nombre de features. On va proposer des produits financiers additionnels, on va changer un peu le skin de l'app pour reprendre un peu de vocabulaire Yubo, mais c'est clairement l'objectif de Card, c'est de rester ça, la ça fait carte. Combien de temps Card là pour l'instant? Ça fait, on est opérationnel depuis 2 ans et demi. Donc, on n'a pas plus... encore vu complètement la... Si, on a plus de 150 000 clients et on a une dizaine de milliers de clients qui ont fait le grand saut entre moins de 18 et plus de 18, et on arrive à garder près de 80% de ces clients-là. Okay. Donc c'est formidable pour nous. Maintenant, il y a encore beaucoup de boulot parce que forcément, on passe dans une autre dynamique en termes de besoins financiers. Typiquement, je pense qu'un gros sujet, c'est crypto, stock, c'est des choses qu'on est en train de réfléchir. Donc c'est sûr que c'est l'idée, c'est de les garder ad vitam aeternam. Ok. Et Jérémy, ton côté sur le... Alors bah nous, pareil, ça fait plus de 5 ans qu'on existe et nous, ce qu'on a vu, c'est que vraiment les utilisateurs, ils grandissent avec Yubo. Donc les utilisateurs qui utilisaient l'application lorsqu'ils avaient 15-16 ans, bah, dès qu'ils ont 18-19 ans, ils continuent d'utiliser l'application. Donc nous, au début, on était fermés au-dessus de 20 ans. Donc on a lancé l'application pour pas se compliquer. On a dit, on sait qu'on a 90% de utilisateurs qui ont en dessous de 20 ans, on va pas réfléchir au-dessus. Donc on avait fermé et petit à petit, en fait, on a eu de la demande d'utilisateurs pour ouvrir cette tranche d'âge entre 20 et 25 ans. Donc on a ouvert. Donc c'était nos anciens utilisateurs en fait qui avaient grandi et qui avaient toujours des amis sur Yubo, donc qui voulaient continuer d'utiliser l'application. Et aujourd'hui, on va ouvrir entre 25 et 30 ans. Donc voilà, c'est vraiment, on sent qu'on a nos utilisateurs qui grandissent avec l'application. C'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que l'usage du live vidéo, c'est quelque chose qui demande du temps et qui est aussi quand même, la génération Z, c'est une génération qui a plus de temps. Quand on grandit, on sait qu'on a de moins en moins de temps de libre. Donc c'est aussi quelque chose qui est important et on va voir les effets que ça pourra avoir aussi sur... Question peut-être un peu difficile, mais comment on ne perd pas son âme en élargissant comme ça le... Enfin, ça me fait penser à du Facebook finalement. Enfin, on a tous démarré là-dessus. Et aujourd'hui, pour le coup, la nouvelle génération y va plus trop. Ça va sur Snap, ça va sur TikTok, ça va plus trop sur Facebook. Et honnêtement, enfin, vu le sapin de Noël que c'est devenu, on comprend très bien pourquoi. Et justement, cette volonté d'avoir une cible toujours plus large, d'adresser toujours plus de problématiques, d'empiler les features, même une boîte comme Facebook, qu'on définit comme étant best practice product, on voit qu'ils se sont un peu perdus en route. Est-ce que vous, il y a des espèces de garde-fous stratégiques, intellectuels? C'est vrai que nous, on reste vraiment focus sur notre cible, quoi. En fait, ça veut dire que toute notre acquisition, on va la faire donc sur notre cible et on va vraiment en fait travailler les usages de la cible qui est nos utilisateurs entre 15 et 20 ans et on va rester en fait tout le temps focus dessus. On sait que nos utilisateurs grandissent et continuent d'utiliser l'application, mais c'est vrai que plusieurs fois, on se le dit, c'est pas le moment de regarder ça, c'est pas le moment de regarder ça. Et pour nous, on est vraiment focus sur cette problématique d'aider la génération Z aujourd'hui à se développer, à grandir et à trouver leur groupe d'amis. Donc pour l'instant, on est vraiment entièrement focus dessus et on fait pas autre chose, quoi. On travaille pas sur d'autres problèmes. Ok. Dernier sujet qu'on va aborder tous les trois, c'est l'argent, justement. Parce que, alors c'est bien, vous adressez une génération qui est finalement assez mal équipée en produits numériques. Enfin, tu le disais, Scott, en introduction.
Mais il y a aussi une bonne raison, c'est que c'est la génération, enfin c'est pas une question de génération, c'est une question de tranche d'âge, hein, tout bêtement, bah, qui a le moins d'argent, quoi. Donc forcément, ça attire peut-être moins les créateurs de produits. Donc première question toute bête, comment vous gagnez de l'argent? Et après, on verra les autres business models qui existent pour cette génération. Alors nous, bah, on a testé le même modèle que le gaming, qui sont en fait des achats intégrés dans l'application. Donc en fait, depuis le début, on n'a jamais voulu nous vendre les données de nos utilisateurs, donc faire des pubs comme font tous les autres réseaux sociaux. Mais on était vraiment concentrés, nous, sur l'usage. Et donc pour nous, en fait, ça faisait beaucoup de sens, en fait, de travailler sur des fonctionnalités qui permettent à nos utilisateurs de rencontrer encore plus de monde. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré depuis le début. Donc on a développé des fonctionnalités payantes pour nos utilisateurs, pour leur permettre de découvrir plus de personnes, de mettre leur groupe d'amis en avant par rapport aux autres. Et on s'est vraiment toujours concentré là-dessus, et c'est vraiment ça qui a fonctionné. La chance qu'on a, nous, en fait, c'est qu'on a une majorité de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'aux États-Unis, déjà, il y a un pouvoir d'achat qui est assez élevé, et surtout les utilisateurs ont des moyens de paiement assez jeunes, et c'est déjà connecté dans leur téléphone. Donc ils jouent à Fortnite, ils achètent des skins, c'est déjà quelque chose qui est commun. Et donc voilà, nous, depuis le début, en fait, on avait toujours cette question: est-ce que notre cible allait dépenser de l'argent dans l'application? Et voilà, on a testé simplement et ça a fonctionné, et depuis on a vraiment construit tout un modèle autour de l'achat intégré, et c'est vraiment quelque chose qui est super bien, en fait, parce que voilà, nous, on a la fierté de se dire à nos utilisateurs qu'on ne vend pas leurs données, et que tout ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment dans leur bien, et on essaye, en fait, juste d'améliorer leur expérience au maximum. Nous, on aime trop la Gen Z pour essayer de les faire payer. Non, plus sérieusement. Heureusement, il y a les parents. Non, ce que tu disais, par définition, c'est quand même une cible qui a un pouvoir d'achat qui est relativement limité. Un ado aujourd'hui dépensé entre 80 et 120 euros, donc c'est compliqué de lui faire acheter un produit comme le nôtre. Donc on a tout simplement décidé de faire payer le parent, et donc on fait un abonnement mensuel par famille. Ok, et donc pour conclure, un peu d'ouverture là-dessus, pour ceux qui, dans l'audience ou globalement, aimeraient se lancer sur cette niche d'utilisateurs, c'est quoi les grands leviers de monétisation qui existent? On en a vu deux, hein, donc de l'achat in-app, de l'abonnement traditionnel, mais finalement pas payé par eux, donc c'est peut-être un peu moins actionnable. Est-ce que vous avez vu d'autres moyens un peu de monétiser cette cible? Après avoir parlé d'éthique pendant 10 minutes, j'ai du mal à poser cette question, mais bon, je la pose quand même. Nous, le seul moyen qu'on ait trouvé de les monétiser directement, c'est de leur vendre du kiff. Et nous, notre kiff principal, quand tu utilises carte, c'est la carte physique qui est hyper appréciée. Donc on a plusieurs types de cartes, de 10 couleurs différentes, avec tu peux la personnaliser comme tu le souhaites. Donc ils achètent pas mal de cartes qu'on facture en plus. Ok, tu me parlais aussi du pouvoir d'influence qu'ont les ados sur les familles, et du fait que c'était une espèce de monétisation indirecte, finalement. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oh, complètement. Ce qu'on se rend compte, et c'est pas seulement nous, mais c'est assez connu, enfin, non, sociétalement parlant, c'est que l'ado va avoir un pouvoir d'influence sur la consommation des ménages, principalement sur des éléments où le parent est peut-être un peu perdu, donc l'électroménager, la techno, l'électronique, etc., qui est assez considérable. Donc il y a clairement, on peut orienter le choix de l'ado pour son foyer, ou essayer de les conseiller un petit peu plus. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de bridger un peu le gap entre les différences entre les parents et les ados. Et ça, c'est un truc qui nous a été venu de nos users en discutant beaucoup avec eux. Il y en a beaucoup de parents qui nous ont dit... Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on rentre dans un âge où on capte le client dans un âge qui est assez compliqué, qui est souvent l'adolescence, souvent il y a une crise, souvent l'ado ne comprend pas le parent et vice-versa. Et on a beaucoup de parents qui nous ont approchés en nous disant: mais c'est formidable ce que vous faites, parce que ça me permet de me rapprocher de mon enfant. Donc nous, on était un petit peu, comment ça rapprocher? Je sais ce qu'il dépense, je comprends ce qu'il aime,
Donc je peux en discuter, c'est un sujet de conversation où on va échanger sur un certain dépense, et donc on a essayé de réfléchir à ça. Et on a sorti il y a quelques semaines maintenant une feature, une espèce de messagerie interne où tu peux, parents et enfants peuvent directement discuter, liker les transactions. Et ça a été adopté massivement. On a des milliers, des milliers, des milliers de commentaires chaque jour sur des trucs qui sont complètement dingues. Typiquement, un ado qui va acheter deux paires de baskets, sa mère va lui dire « Mais pourquoi t'as acheté deux paires? Je comprends pas. Non, t'inquiète, maman, c'est pour la revendre. J'ai déjà pris plus de 40%. » Donc c'est encore une fois, ça leur permet de comprendre beaucoup mieux leurs ados, leurs enfants, et d'être beaucoup plus proche de cette génération-là. Super, merci à tous les deux. Il nous reste quelques minutes, 5 minutes pour prendre des questions. Alors je balaye juste rapidement l'application. Si vous avez des questions, vous levez la main directement, hein, vous vous embêtez pas. C'est la première question. Voilà, merci, la plus difficile j'allais dire. Question sur le financement. Pour les deux j'imagine, hein, je suppose. Oui. Alors oui, nous, on a donc au début, on a donc bootstrappé la première année. Donc on a eu la chance en fait de faire le Nouma à l'époque, donc un incubateur, et on avait récupéré plus de 500 000 euros en fait de crédit chez les différents providers, donc Apple, Google, Amazon et Azure. Donc ça nous avait vraiment permis en fait nous de pas avoir de dépenses pendant la première année et d'atteindre le premier million d'utilisateurs. Donc voilà, il faut savoir que dans une app sociale, il faut faire ses preuves pour lever des fonds. Donc il faut soit avoir de la croissance, soit avoir une super rétention. Il faut vraiment avoir quelque chose. Donc nous, on avait vraiment eu la croissance. Donc c'est ce qui nous a permis de faire notre première levée de fonds. Et on a fait depuis 5 levées de fonds. On a bien attendu un an, et c'est important d'avoir au moins craqué un problème et comprendre quelque chose avant de commencer les financements, quoi. Nous, c'est un peu différent. On a eu la chance de pouvoir lever tout de suite en amont de commencer la conception et la création du produit. On a levé 3 millions en seed. Aujourd'hui, on a levé un peu plus d'une dizaine. C'est compliqué pour une banque de bootstrapper dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de coûts. Et il y a beaucoup de temps de dev sur le back-end pour arriver à un produit qui est stable et qui fonctionne. Donc c'est quasiment impossible de bootstrapper un produit comme le nôtre, simplement parce que tu as trop de dépendance par rapport à d'autres prestataires. Tu penses à Visa, Mastercard, les processeurs, les émetteurs, etc. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Attends, Jérémy, je vais répéter la question pour l'enregistrement et ensuite, en synthèse, comment fonctionne le contrôle, l'espèce de Face ID version Yubo. C'est ça. Alors nous, on travaille avec une entreprise anglaise qui s'appelle Yoti. On a développé un partenariat avec eux où en fait, ils arrivent à estimer l'âge à partir d'une vidéo d'une personne, donc c'est automatique. Voilà, maintenant, c'est pas tout le temps... Ça n'est pas tout le temps, c'est sûr à 100%. Et donc, dès qu'on a un doute, on a en place en fait un système dans Yubo pour faire une vérification en fait d'identité classique avec toute la carte d'identité. Et donc, en fait, on a ce système-là qui est fait en backup, quoi, si jamais il y a un souci. Mais voilà, dans plus de 90% des cas, la vérification fonctionne et là, j'ai le bon. Et voilà, c'est des modèles qui sont entraînés en fait avec beaucoup de photos de gens et correspondantes à leur âge. Et sur les faux comptes, parce que je crois que c'était aussi une partie de la question. Est-ce que je mets une vidéo de quelqu'un d'autre, d'un adolescent filmé par l'autre iPhone, est-ce que ça... C'est aussi pris en compte dans l'algorithme, donc en fait que ça soit quelque chose de vrai, que ce soit pas une photo de photo, il faut que ce soit une vraie personne. Et ensuite on compare aussi la personne en fait avec ses photos de profil, donc on peut vraiment savoir que le compte est vrai, quoi. Ok. Oui, alors je vais prendre devant d'abord et ensuite il y a juste derrière.
Je vais te laisser répondre, je reformule la question aussi. Enfin, je répète la question. Est-ce que au sein même de la génération que vous adressez, il y a une adaptation du produit qui reflète les stades par lesquels un adolescent peut passer, puisqu'il est effectivement très différent entre 12 ans et 17 ans? Alors nous on a répondu ça vraiment avec un produit unique, mais vraiment des groupes d'âge en fait dans l'application. Donc on essaye en fait tout le temps de voir Yubo comme une plateforme. Donc on va pas avoir des solutions qui sont individuelles à chaque problème, mais vraiment de concevoir des outils qui vont fonctionner avec donc les différents groupes d'âge. Et donc voilà, nous on a vraiment mis en place ces groupes d'âge pour qu'en fait voilà l'expérience en fait des utilisateurs elle représente un peu ce qui se passe dans la vraie vie. Donc voilà, dès qu'ils sont au collège, dès qu'ils sont au lycée, ils sont avec des gens autour d'eux qui ont plus ou moins le même groupe d'âge. Et donc nous c'est vraiment en fait comme ça qu'on a répondu à cette problématique. Et donc dès que les utilisateurs grandissent, ils se retrouvent en fait avec des groupes d'âge qui sont plus élevés. Mais l'application, on essaye vraiment tout le temps de la penser en termes de une plateforme qui fonctionne pour tout le monde, quoi. Merci. On avait une question juste derrière, qui sera peut-être la dernière. Sarah, quelle a été la place de la communauté dans le produit de la génération Z, puisqu'on a l'impression que ça devient un must-have pour pouvoir lancer et faire vivre un produit avec cette génération qui est très connue. On sent l'expert NFT qui parle, très influencé par la notion de communauté. Nous, ça a été le facteur clé de notre succès. Ça, c'est sûr et certain. Quand on s'est lancé au tout début, ce qui est génial, c'est que c'est une cible qui, où cette Gen Z, c'est la seule tranche de la démographie qui voit tous ses potes deux fois par jour. Et donc pour nous, le côté cours de récré, encore plus depuis la loi Blanquer et l'interdiction du smartphone dans les écoles, il y avait cet objet plastique et ce flyer marketing volant qui était la carte. Et donc nous, on a fait 0 à 50 000 users en dépensant quasiment 0 euro en marketing, simplement sur cet effet de viralité, de bouche à oreille, de spread. La communauté est complètement dingue. Je pense que c'est la cible la plus virale qui existe, de par le fait qu'elle se voit tous les jours, mais aussi qu'elle est ultra, ultra connectée. Pour nous, la communauté, elle est au cœur de tout ce qu'on fait, c'est sûr. Jérémy, tu veux... C'est un peu la nature même de l'application, j'imagine. Mais... Alors nous c'est vraiment... Yubo, nous, c'est la construction en fait, de plein de petites communautés. Donc c'est vrai que c'est un travail assez particulier parce que voilà, chaque personne en fait, sur Yubo, elle va se retrouver avec des gens qui sont plus ou moins qui sont plus ou moins de la même communauté, où en fait, ils vont vraiment se regrouper selon les types de personnes. Donc c'est quelque chose qui est très important. Après, nous, on a un peu vraiment tout le temps cette approche de plateforme, donc essayer vraiment de fournir des outils qui vont fonctionner pour toutes les communautés et surtout en fait d'être très proche. Parce que nous, ce qu'on a, voilà, on a monté une équipe communauté qui discute avec les utilisateurs, qui va dans les lives avec eux et qui prend leur feedback. Donc vraiment, l'idée, c'est de rester tout le temps très proche et de comprendre les problématiques qui sont individuelles à chaque communauté pour proposer des solutions qui sont un peu globales.